Salut les amis, les bricoleurs, les curieux, les gens de passage, soyez les bienvenus dans mon atelier, l'atelier Petit Copeau. Aujourd'hui, je me lance sur un nouveau projet, un projet que j'appelle assez conséquent. Un bureau, donc vous voyez, j'ai refait toute une pièce là chez moi, une pièce de bureau. Voilà, je vous mets quelques photos ici. Du sol au plafond, c'est tout neuf. Et maintenant, il me reste à faire un bureau en bois. Ça va être un bureau avec deux niveaux. Un niveau un petit peu plus haut pour moi à 90 et puis un deuxième niveau à 70 cm du sol. Donc j'ai fait un petit croquis comme ça. Voilà, pour moi ça va me suffire, mais pour vous, je vous mets peut-être une animation en 3D ici. Normalement, Bulmout doit faire les plans, c'est gratuit, c'est pour vous, ce sera dans la description. Donc ce sera un bureau assez joli, assez design, avec une inclusion en valchromate dedans, un pied central en acier, une prise qui sort du bureau, peut-être une incrustation avec de la résine et des LED. Je ne sais pas trop où ça va mener, ça va être un projet assez technique, mais je vais tout donner pour que la réalisation soit la plus correcte possible. Donc ce sera peut-être une vidéo en deux parties, j'ai pas l'habitude de le faire parce que j'aime pas trop ça. Mais là vraiment, si on veut voir les détails de la fabrication, je pense que dans cette première vidéo, il va y avoir les deux plateaux. Donc le plateau contre le mur et le plateau qui revient avec un arrondi, les deux inclusions en valchromate. Ça va déjà être assez lourd. Et puis dans la deuxième vidéo, on verra la fabrication des caissons en valchromate. Il y a du tiroir, il y a du rainurage, des portes et puis l'assemblage final. Ça vous permettra de voir plus de détails si vous voulez vous en inspirer ou copier le modèle chez vous. J'en profite pour vous présenter les deux nouveaux arrivés dans l'atelier, cette superbe perceuse d'acolone chez Pache et ce magnifique étau, la Rolls des étaux d'Olex. Voilà, je le remercie parce que Rodolphe, il s'est carrément déplacé jusqu'à chez moi pour boire un café et me l'emmener en main propre. Donc c'est super sympa, merci à eux. La vidéo, ça commence maintenant, on y va. Je vous le dis pas assez souvent, mais pensez aux EPI, hein, le valchromate, là, c'est un truc qui pue, c'est beau, mais à mon avis, c'est toxique. Masque, lunettes, protection pour les oreilles. C'est parti, on y va, un petit son de Hayek, go!
Deuxième jour, de retour dans l'atelier, je fais un petit feu parce que ça caille un petit peu dehors. Donc le premier plateau, il est ici. Il est sec, donc je vais pouvoir desserrer les serre-joints. Et aujourd'hui, on s'attaque au deuxième plateau, celui-là. Alors je voulais faire cette petite forme ici, là. Les personnes qui vivent chez moi disent que ça ressemble à un chiotte, à un toilette, donc ça leur plaît pas trop. Ça va être plus, je pense, du coup, dans le prolongement, un arrondi juste au bout. On va changer un peu de technique, on va pas faire la même chose qu'ici. On va faire un collage en chaîne. Et puis, on va utiliser la technique d'inclusion pour venir inclure le valchromate parce qu'il y a un arrondi. Donc, ça permet d'utiliser plusieurs techniques et puis c'est cool. Allez, on y va! Voilà, mon collage est fait, il n'est pas exceptionnel parce que bon, c'est vrai que j'utilise pas mal de bois de récup que j'achète vraiment pas cher, mais qui est parfois un peu vilain. Mais je vais réussir à bien arranger tout ça, vous inquiétez pas. Donc la phase d'aujourd'hui, ça va être de fabriquer un gabarit en contreplaqué pour pouvoir faire de l'inclusion avec la défonceuse et les deux bagues de copiage. Donc je vais sortir mon gabarit à faire des cercles avec la défonceuse. Je vous mets une photo ici et vous avez un lien là. Donc je le découpe, je découpe mon CP et puis ensuite on va venir faire l'inclusion ovale chromate dedans. Donc c'est parti pour l'inclusion. Donc la grosse fraise à carbure de 12 mm qui déchire tout, je vous mets un lien ici si vous voulez aller voir. Alors pensez bien à soit fixer, soit visser, soit scotcher les deux parties, le gabarit et la partie à usiner pour pas que ça bouge. Surtout après quand on va aller découper le varchromate, la partie à l'intérieur, qu'elle ne bouge pas à la fin de l'usinage.
Alors, j'ai mon morceau de chaîne ici et j'ai laissé un espace dans mon inclusion grâce à une fraise plus grosse de 12 mm, ce qui fait que j'ai pu accrocher des LED. Alors, pour l'alimentation des LED, j'ai récupéré là ce petit transfo que vous pourrez trouver certainement dans votre placard, c'est un truc de téléphone. Ça devrait suffire à alimenter mon éclairage LED ici. Et puis je voudrais couler dans cette petite rainure, cette petite rigole de la résine. Je sais pas trop ce que ça va donner au niveau du résultat. À mon avis, il faudra pas mettre beaucoup de piment dans la résine pour que la lumière passe à travers. Et puis surtout, ce que je vais faire avant de couler la résine, c'est que je vais en préparer un petit peu. Et avec un pinceau, je vais venir badigeonner tout le tour du chêne ici pour bloquer le support, pour pas qu'il y ait des bulles du bois qui puissent sortir et venir abîmer le résultat de la résine. Donc déjà une petite couche de résine au pinceau partout tout le tour. Ensuite, je pourrais coller ça ici et puis je reviendrai demain pour couler ma petite rigole en résine. Alors, nous y voilà, on va se faire un petit peu de résine, donc je prends la cam et le micro pour suivre l'étape, comme ça, ça vous permet de voir un petit peu, donc c'est un produit que je maîtrise pas encore vraiment, voilà, là, c'est de la résine pro que j'ai, donc elle est bien transparente normalement, jusqu'à présent, j'ai encore des problèmes d'opacité, de bulles. Donc il y a un ami du web qui s'appelle Thomas qui m'a envoyé un grand mail pour me donner des conseils sur la résine quand j'avais fait l'applique en résine qui était pas exceptionnelle non plus. Donc j'ai relu ces informations hier et ça va bien nous aider aujourd'hui. Donc Thomas, je te remercie. Donc on va remplir cette petite rigole, hein, vous avez compris. Donc ce qui est bien déjà, c'est d'être à peu près de niveau dans les deux sens pour pas que ça s'écoule. Ce que j'ai pu constater jusqu'à maintenant, c'est que c'est extrêmement fluide et que si elle trouve un endroit pour se sauver, elle va se sauver. Donc ce que j'ai fait, j'ai fixé cette petite planche ici avec du silicone. Donc normalement, c'est étanche. Et puis maintenant, on va passer à la préparation. Hop, alors je vous garde en main un petit peu de place là. Alors au niveau de la quantité, c'est difficile à évaluer de ce que je vais avoir besoin. Et puis aussi, la problématique que j'ai, c'est la pigmentation. Donc là, c'est les pigments qui vont avec. Soit je vais mettre trop de pigments et la lumière ne va pas passer. Et donc, ça va être loupé. Et soit je vais en mettre pas assez. Et puis, on va voir tout ce qu'il y a dedans, les détails, les LED. Donc, je vais quand même, de toute manière, il faut bien faire des essais. Hein, et c'est ce que je fais, je partage avec vous. Donc, je vais quand même pigmenter, mais je vais y aller vraiment légèrement pour pas trop prendre de risques. Alors, ce que m'a conseillé Thomas, déjà, qui est sûr et qui est malin, on a deux produits différents, hein. Un dans lequel on doit mettre 100 et l'autre dans lequel on doit mettre 60. Et donc, d'après Thomas, ce qui est bien, c'est de mélanger les pigments que dans une seule partie de la résine, donc dans le durcisseur. Donc ça, c'est le A, on recommence à 0, là, j'en mets 100. J'ai toujours peur de faire une connerie, puis c'est des trucs un peu irrémédiables, quoi. Quand t'as merdé ta résine, t'as merdé ta résine. J'ai 100 de mon composant A et 60 de mon composant B. Donc le composant B, lui, c'est le durcisseur. Et donc il m'a dit de mélanger mes pigments dans le durcisseur. Je vais pas prendre le risque d'en mettre plus parce que là déjà, ça m'a l'air déjà coloré. Il faut mélanger lentement, voilà, pour ne pas faire rentrer de bulles dans le produit. Donc là maintenant, je vais mélanger les deux composants et puis je vais mélanger lentement pendant 3 minutes. Ok, donc voilà le résultat, je suis assez fier de moi, j'ai réussi à mélanger lentement, pas faire le gros bourrin, pas trop y avoir de bulles dedans. Donc je pense que mon mélange est ok. Maintenant,
On va couler dans la rigole. Donc le but, hein, c'est pas d'avoir une lumière qui flash la gueule, juste un petit trait lumineux. Voilà, pour rendre un peu sympa, un peu fun, ce petit bureau. Et puis de tester des trucs aussi. J'aime bien tester des trucs inconnus. C'est même ce qui m'intéresse le plus, quoi. Là, je vois bien que ça va pas remplir le truc, donc ça se fera en deux fois, hein, deux coulées. Alors, je vais te montrer deux trucs, un dont je suis fier et un dont je suis pas très fier. Tu vois, ici, là voilà, c'est un lamello de chaque côté là qui apparaît alors que j'avais vraiment fait attention, je voulais pas qu'il dépasse. J'ai dû recouper un petit peu l'arc de cercle plus court parce que j'avais merdé. Mon guide avait bougé, du coup j'ai retaillé un petit peu dedans et mon lamello est apparent, donc ça c'est vraiment pas top cool. Et le truc dont je suis fier, c'est bien sûr les taux d'Olex, mais surtout les petites mâchoires ici. Là, tu vois, il y a deux mâchoires en caoutchouc, voilà, dans lesquelles je peux coincer ma pièce tranquille pépouze, vraiment sans abîmer. Voilà, ça commence à sentir un petit peu la fin du projet. Maintenant, je vais poncer ça vraiment au plus fin que j'ai, c'est-à-dire le plus fin que j'ai, c'est du 2000. Il y en a qui vont même bien au-delà pour la résine, mais bon, là, il n'y en a pas énormément. Donc, je ponce les deux plateaux vraiment nickel, nickel. Et puis, on applique une petite couche de finition. On y va. Voilà, c'est la fin de cette première partie. La vidéo va se terminer comme ça, tranquillou, avec la finition. Donc j'ai pas mal hésité sur la finition entre un vernis que j'ai, et puis l'huile cire Blanchon là qui va donner un rendu vraiment sympa. Bon, finalement c'est un bureau, hein. Normalement on n'est pas censé vraiment casser la croûte et mettre des gros coups de couteau, de l'huile et tout, mais bon, faut quand même mettre une petite tasse de café et tout. Bon, j'ai quand même pris l'option cire, on va voir ce que ça va donner. Là ici on voit que j'ai des petites taches un peu noires là, je pense que c'est la résine qui s'est imbibée dans le valchroma et qu'avec le produit ça va plus se voir, donc je l'espère. La finition ici au grain 2000, donc c'est super lisse, hein. Voilà, c'est vraiment top du top. Pensez bien à appliquer une finition sur les deux parties, hein. C'est important. Recto, verso, sinon le bois il va se tordre que dans un sens. Donc là, j'applique à l'éponge. J'ai trouvé cette technique, je trouve que c'est vraiment sympa, donc vous pouvez y aller généreusement, hein. Moi je mets du produit pas mal. Ensuite, donc c'est une seule couche, hein. La finition se fait vraiment tout de suite à l'essuyage avec un petit torchon. Je suis assez content de ma résine, j'ai pas de bulles, donc ça va être quand même pas mal. Le rendu devrait être sympatoche, sympatoche. Donc une seule couche de produit, généreux. Et puis ensuite, je laisse le bois va s'imbiber, ça va bloquer le fond. Il n'y a plus qu'à passer un petit coup de torchon. Et c'est fini, voilà le rendu de la résine, c'est vraiment sympa, sympatoche. Je vous invite à aller faire un petit tour sur Instagram, là. C'est un support sur lequel je poste quand même pas mal de petites photos du chantier. Je commence pas à maîtriser, mais bon, je me rends bien actif sur ce truc. Donc si vous voulez plus de copeaux, n'hésitez pas à aller voir sur Insta. Il y a des petites vidéos, des petits projets que je poste pas sur YouTube, hein, je peux pas tout mettre. Et voilà, que vous verrez sur Insta. Donc ça se termine comme ça, sur cette finition. Ne soyez pas triste, hein, c'est un peu comme une série, quoi, tu vois, comme la Casa del Papé. T'inquiète pas, je reviens la semaine prochaine. Normalement, si tout va bien,
pour les caissons, fabrication des caissons. On s'attarde un petit peu sur le projet, histoire de bien voir comment on fait. D'ici là, portez-vous bien, gardez la pêche. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye!